Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous voici aujourd'hui sur Undermine. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un roguelike qui vient de sortir, visiblement. Et alors, il vient de sortir, il est en Early Access pour la modique somme d'un petit 12€ pour l'instant sur Steam. Alors, attention, je vous entends déjà. Ah, mon Dieu, Steam, non, non. Bon, voilà, faites ce que vous voulez, quoi. Moi, j'achète sur Steam. Et sur autre, hein, bien sûr, j'achète sur plein de trucs. Faudrait que d'ailleurs que j'arrête. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a un petit personnage. Et on va aller dans les mines. Jusque-là, tout le monde avait suivi, quoi. Et donc, voilà, si vous aimez les roguelikes, les gros titres de ces dernières années, c'est-à-dire Rogue Legacy, Binding of Isaac, même Enter the Dungeon, voilà, ce jeu reprend beaucoup, beaucoup de gameplay, bah de, voilà, et aussi d'idées hein, de ces jeux-là. Donc, bon, bien sûr, c'est en anglais, c'est un Early Access. Donc voilà, il est sorti, mais la vraie sortie, apparemment, ça serait dans aux alentours de 6 mois. Bon, à vérifier, hein, les infos à vérifier. Et voilà, on a le jeu est déjà énormément complet. Hein, c'est déjà un bon plaisir. Alors, merde. Ah, paysan, j'ai quelque chose de très important à te demander. Est-ce que tu as un notice? Ah merde, la mine est en piteux état avec un terrible tremblement de terre qui vient de se passer. J'ai besoin d'un sbire pour aller dans la mine et trouver la source de ce merdier. Et autre chose. Notre forgeron, ah merde, il a disparu. Et sans lui, la forge, bah, il se passe rien. Alors, si nous devons aller au profond de la mine, nous aurons besoin de quelqu'un pour la forge, pour les nouveaux équipements. Trouve le forgeron et le merdier. Alors, prends la clé pour déverrouiller l'entrée de la mine. Et ne te chie pas dessus, s'il te plaît, jeune homme. Ok, merci. Ah, bah voilà. Je ne parle pas super bien anglais, j'ai des notions. Je vais faire les traductions à ma sauce. Hein. Attention, il y a des trucs qui ressemblent et des trucs que peut-être je vais complètement piffer à côté. Hein. Qu'on soit tous d'accord. Hein. Qu'il n'y ait pas d'embrouille de ce côté-là, mais bon, pour ceux qui suivent régulièrement, ils savent. Ils savent. Alors, j'ai mon journal. J'ai mon journal, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Je l'ai pas dit. Garde ce journal avec toi. Il pourra répondre à de nombreuses de tes questions. Merci, mon pote. Alors, bon, voilà, j'ai ma pioche. Je tape. C'est ça que je l'ai pas dit. Hein. J'ai un seau. Ah ouais, j'ai un seau avec du air control bon limité. J'ai mon lancer de pioche. Et voilà, en diagonale, j'en fais ce que je veux. Et après, vous pouvez voir en haut à droite, il y a des bombes, il y a des clés, il y a de l'or et des petits diamants violets. On verra ça en temps voulu. Je suis Bromori, tout en haut à gauche. J'ai 200 points de vie. Tout va bien. Bon, donc, comme je disais, on va retourner dans ce menu. On a nos petits équipements. Voilà, ma pioche, mon petit veston, tout ceci. Et tout ceci peut être amélioré au fur et à mesure des aventures, bien sûr, des profondeurs. Alors on débloque et on y va. Mais ça, voilà, comme exactement comme Rogue Legacy, c'est-à-dire en haut à droite, on a l'or. Et donc, dès qu'on meurt, on revient à la base où on vient de voir. On revient pas, hein, c'est pas du tout nous, hein, parce qu'on est mort. Donc, il y a un autre Pecno qui vient, mais il récupère la moitié de l'or qu'on avait. Quand on meurt, on perd la moitié de notre or. Et avec la moitié qui reste, ben en fait, on fait les upgrades, on achète des trucs à la ville, quoi. Voilà, ça marche comme ça. Et voilà, et on, bon, vous pouvez voir, en bas à droite, on a une petite map, ça fait beaucoup penser à Isaac. Pour moi, ça me fait penser à Zelda, mais voilà. Et on y va, on avance, et bon, là, c'est le tuto, il nous dit, vas-y, saute. Ok, j'ai fait une petite partie de mon côté, mais là, vraiment, voilà, je découvre le jeu avec vous. Je découvre le jeu, pas tout à fait. C'est-à-dire que j'ai découvert le jeu hier, je suis tombé sur un stream, et quelqu'un jouait à ça. Et j'étais agréablement surpris. Et du coup, bah, j'ai vu 3 heures de gameplay, donc je me suis un peu spoilé des trucs, mais
avant d'aller dormir, bah, je me suis acheté, je vais dormir là-dessus et j'étais plutôt content. Alors, on met une petite bombe, bien sûr. Ah, tiens, il nous relâche une bombe, merci bien. Voilà, tout le début, j'ai pas trop vu. Moi, j'ai vu un peu plus tard, mais on a des squelettes comme ici. On peut dire je fouille et j'ai rien trouvé. On va te faire sodomiser. On a la clé, c'est bon. On avance. Viens ici. Viens ici, c'est vrai que j'avais un truc à lancer. Je dis merde, comment je vais l'atteindre. Et oui, j'ai ma hache. Ma hache, ma pioche, mais j'ai un lancer de... Oh merde, de pioche. Alors, bon, voilà, ça emprunte à beaucoup de jeux. Hein, ce jeu n'invente rien. Mais... Dégagez. Hé, mon or. Bande de petits bâtards. Mais voilà, il prend énormément pour en faire quelque chose de très bien. Hein, donc, faut pas se plaindre. Wow. Donc, on a pu voir, on a des petits endroits à miner, comme ça. Avec de l'or, donc l'argent. Hein. Et donc, dès que ça apparaît, on a des slimes qui apparaissent. Alors, voilà, ils sont pas... voilà, je peux marcher dessus, ça me touche pas. Mais ils viennent piquer mon or. Et là, ça, je refuse. Je refuse de façon catégorique. Donc, bah voilà, ils disent, il y a des voleurs. Et attention aux pilfers. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne vais pas m'aventurer. Et bien sûr, à l'instar de Binding of Isaac, on a moult reliques. Qui, au fur et à mesure des descentes, et voilà, au fur et à mesure de l'avancée, on va en débloquer de plus en plus. Et ce qui va augmenter notre puissance ou autre. Alors, free food at the shop. Right now. Ah oui, j'ai un ticket. J'ai un coupon pour de la bouffe au magasin. Ok. Ah ouais, c'est en bas à gauche, vous voyez, c'est une relique. Ah, c'est tout le temps, alors. Je croyais que c'était qu'une fois. Ouais, je découvre, hein, y a encore plein de trucs que j'ai pas vu. Et donc, on a fait le premier niveau. On s'enfonce dans le deuxième. Que dire sur ce jeu? Déjà, la direction artistique, je trouve ça plutôt sympathique. Il y en a qui ont pixel merde. Non, franchement, c'est plutôt beau, c'est plutôt bien fait. Il y a beaucoup de détails. C'est toujours très intéressant quand c'est comme ça. Ensuite, la maniabilité, elle est ce qu'elle est. Elle est un poil rigide, mais ça va très bien avec le jeu, justement. Ça, parce que si ça serait aussi fluide que Binding of Isaac, ça serait trop facile, je pense. Hein, après, ce n'est que mon avis. Mais là, justement, on a une petite rigidité du personnage. Quand on tape, on a l'animation du personnage qui met un coup de pioche. Ben moi, je peux pas trop bouger pendant une seconde. Ah zut, il y avait un squelette. Ben, je dis zut. Je sais pas. On peut fouiller les squelettes, comme vous avez pu voir juste avant. Mais on peut juste les taper dedans. Mais je sais pas si fouiller permet d'avoir un objet qu'on n'aurait pas en tapant. Vous comprenez mon délire? Ou pas, hein, d'ailleurs. Mais voilà. On peut voir en bas à droite la map, je l'ai pas dit. Les salles adjacentes à celle où je suis, on peut voir déjà des informations. C'est-à-dire en bas, on voit, bah, c'est la descente. C'est pour aller au niveau en dessous. Voilà. Donc cette petite map est très importante. On a le saut, alors surtout pas oublier. Dans certains combats, c'est plus que obligatoire. Mais disons qu'il faut que j'apprenne à le maîtriser parce que c'est pas intuitif pour moi. Parce que les jeux comme ça, roguelike, vu un peu de dessus, c'est rare qu'on ait un saut. Parce que bon, là c'est pas une vue de dessus, hein, c'est une vue de 3 quarts. Donc le saut est admis, c'est une vue de dessus, ouais, forcément qu'il n'y a pas de saut. Quoi. Mais je sais pas, ça fait bizarre, je trouve que c'est pas super intuitif. Bah, je veux dire, c'est très jouable, très sympathique, mais c'est pas forcément le truc qui me vient à l'idée, quoi, de sauter. Donc on a pu voir, j'en ai pas parlé, on a des petits pièges. Des petits pièges à la con. On a ça, hein, les pics, on a des dalles qui balancent des fléchettes, voilà, il y a des trucs. Hein. Oh putain, ils m'ont fait flipper. Il faut que je regarde aussi. Là, j'ai pété les lampes, hein, donc on voit plus rien. Mais. Et voilà, faut être. Il me fait pas mal. Le petit champignon, là. C'est mes potes. Vous avez vu comment il a volé, là? Une bombe. Bah, attendez, ils me suivent ou pas? Venez. Ah ouais, ils me suivent jamais, en fait. Il y a un truc à faire avec vous? Si je saute dessus. Faut les nourrir?
quoi ces petites merdes là? On va dégager quoi. Dégagez bien. Bon, j'ai une bombe, on va faire péter ce mur pour pouvoir accéder au-dessus. Ah bah, serait-ce le blacksmith, le forgeron? Et bonjour. Oh, hé, l'ami. Mon nom est Wayland. Et je suis forgeron. Comme par hasard. Ah, j'étais juste descendu ici pour prendre quelques champignons hallucinogènes. Quand un tremblement de terre a bouché l'entrée de la cave. Pas de voilà, du sous-sol, bref. C'est cool. T'inquiète, j'ai une prescription pour mes champignons hallucinogènes, prescrit par mon apothicaire, bien sûr. J'apprécie vraiment que tu es venu ici me délivrer, j'imagine. Ouais, ok. Oui, ouais. Il peut me faire des trucs. Il peut aussi crafter. Mais il faut d'abord trouver des plans, ok. Tu peux les trouver dans le coffre ici, ok. C'est libre. C'est voilà, c'est sans taxe. Celui qui est dans le coffre apparemment, il est voilà, c'est cadeau. Très bien, à bientôt l'ami. On se reverra, je pense. Hein. On se reverra en haut. Ah, t'as quand même quelque chose à me dire? Alors, je te suggère de d'acheter cette pioche. Ici. C'est du bon boulot que j'ai fait. Je peux te le dire, mon gars. Elle est unique. Allez, ouais, see you soon. Ah ouais, voilà, il me dit achète ma pioche, et c'est ce que je vais faire, bien sûr. Buy, donc, weapon upgrade. Attention, c'est parti pour l'accent. Increase swing damage. Ok, bon bah, tout le monde a compris, ça augmente les dommages de ma pioche. C'est très bien. Alors, on ouvre le coffre, le fameux truc gratuit, hein, obtenir. Alors, on a les boots de Wayland, les boots. Donc les bottes, hein, les bottes de Wayland, notre pote le forgeron qui vient de se barrer. Donc à crafter à la forgeronnerie. mais pour l'instant on sait pas ce que c'est quoi, on sait pas ce que ça fait, on a juste le plan. On verra chez lui quoi. Oui, il y a des petites merdes de champignons là, qu'est-ce que c'est ce truc là? Bon, je découvre, hein, je découvre avec vous. Aussi on a des passages secrets, hein, pareil que Isaac ou autre. Hein. Oui, il y a beaucoup de similitudes, hein, ça, voilà, faut pas se cacher. Mais le jeu a l'air bon, hein, je dis bien a l'air, parce que pour l'instant... Ah bah oui, c'est ça mon ticket. J'ai une viande gratis. Free food. C'est ça, parfait. Hein. Il me manque un peu de vie. Mais parce que c'est une relique, vous voyez, c'est en bas à gauche, ça reste, c'est pas un ticket que j'ai utilisé. Donc on a un magasin, voilà, hein, on s'en doutait bien, dans ce genre de jeu, on a toujours des magasins. Notre fric est là pour ça aussi, mais notre fric, pas seulement. Notre fric, on veut le garder. On veut le garder pour améliorer le village. La taverne, ou je ne sais quoi. On a une bombe pour 50, c'est intéressant parce que j'en ai pas. Une potion à 400. Get something for nothing. Quoi? Je sais pas. Obtenir quelque chose pour rien. Ça, voilà, je traduis mot pour mot, mais ça doit pas vouloir dire ça. Après, je sais pas. Et là, on a, voilà, le bon jambon. Le bon jambon pour le soin, mais pour l'instant, je suis full vie. Ok, alors là-haut, on avait besoin d'une clé. On a besoin d'une clé, mais on n'a pas visité, donc il y a du monde. On a, ça, j'en ai pas parlé. On a le délire des trucs élémentaires. Ici, on a des barils explosifs qui crachent. Voilà, on peut voir. Ça balance du feu. Ça balance du feu. Mais alors, ça m'a fait penser à un jeu. Je pense que ceux qui auront joué à ce jeu, c'est-à-dire Divinity. Si vous avez joué à Divinity, il y a un délire dans Divinity d'élémentaire. C'est-à-dire, s'il y a une flaque d'eau au sol, on balance un truc à électricité et tous ceux qui sont sur la flaque d'eau, bah, ils sont électrocutés. Comprenez, ben, on a le même délire dans ce jeu. On a le même délire avec l'électricité. Là, le feu, vous avez pu voir. S'il y a de l'huile au sol,
bah, si on a une flamme qui va sur l'huile, bah, hop, ça enflamme toute l'huile. Ce genre de choses. C'est, j'aime beaucoup, c'est cool. On n'a pas de clé, ça fait chier, ça. Et ça a l'air sympa, voilà, on voit, hein, y a de l'eau ici. Bon, pour l'instant, on n'a pas pu voir d'interaction par rapport à ça. Mais j'imagine que ça va vite venir. Bon, le bestiaire, il est skillé. Hein, pour l'instant, je veux dire, c'est du classique, hein, c'est du grand classique. Hein. Déjà. Ah, une bombe. Cool. Zut. On a un coffre, mais dans une... Qu'est-ce que c'est? Il y a un beefsteak, mais je suis full. Merde, je l'ai pris quand même. Zut. Zut, flûte. Non, j'allais dire, voilà, le premier ennemi qu'on croit, c'est quand même un rat. Merde, les développeurs, sérieux. Faut arrêter de déconner avec les rats à un moment. Bon, on est dans une cave, un souterrain. Soit. Je peux comprendre que, voilà. Ça marche le rat dans une cave, ça marche. Mais bon, merde quoi. Des slimes, on a déjà vu. Voilà, c'est du monstre assez, voilà. Assez, somme toute, classique. On a eu que de la thune et de la bouffe dans ce coffre, ce qui m'intéressait pas, parce que j'aurais aimé avoir une clé pour pouvoir ouvrir au-dessus, là, mais c'est de la baise. C'est mort pour nous, on n'a pas de clé, on n'a pas de bombe. On se casse. On descend. On a des trucs planqués aussi, hein, dans les rochers, dans des choses. Des fois, bah, y a un rocher qui pète au pif, et alors qu'il n'y a aucune inscription dessus. Et y a des choses qui peuvent tomber. Hein. Goldmine 3, ok. Ok, tout va bien. Du rat, voilà, du grand classique, le rat. Alors l'erreur, hein, voilà, l'erreur à pas faire, c'est d'essayer de looter. Mais merde, il y a des nids de rats. Dégage les nids de rats. Mais je suis en train de me faire... ok, ouvrir. Dégagez. Ils sont un peu stun avec mon coup de pioche, mais c'est ok. Mon or. Et voilà, pendant le combat, si on a de l'or qui vole, c'est un peu casse-couille, parce qu'on a les mecs qui viennent en même temps, les slimes, pour... Ah, c'est bien, merci. Pour choper notre or. Mais on a le petit moineau. On peut voir ici qui me tourne autour, hein, le cochon. Là, le moineau. merde. Voilà, il est là, il ramasse les pépites d'or avec moi. Donc, je suis pas tout seul quand même, c'est cool. On a eu une clé. On est content parce qu'on était à poil un peu. Hein. Oula! Je suis un peu énervé. Mais saute au-dessus. Saute au-dessus de l'ennemi, c'est beau. J'avais pas vu qu'il y avait un rôle. Aïe! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, bien sûr, on a des boss. Alors, j'ai vu les deux premiers, je me suis un peu spoilé, comme je vous ai dit, avec les 3 heures de vidéo que j'ai regardé de stream. Mais c'est pas facile, hein. Et je veux dire, c'est au bout de 3 heures hein, qui est arrivé au deuxième boss, et encore, je suis pas arrivé au début du stream, hein, donc voilà, le jeu est complexe. Bah, il est facile dans son gameplay. Mais il y a une difficulté par rapport à la nullité du personnage au début. C'est-à-dire que là, il faut augmenter les PV max, la puissance de mon arme, tout ça. Je vais prendre ça, c'est gratuit. Et forcément, après, on descend dans la mine avec un personnage plus boosté, mais les ennemis restent les mêmes, j'espère. Après, peut-être ça se scale, mais ça, après... Alors, Recover Health. Ok, ben, c'est un soin. Ok. Une clé, ok, et un beefsteak. La beefsteak. Alors elle est en promo, la potion. Mais non, mais je suis bien, moi. Alors, la potion, c'est bien, parce que une potion de soin... C'est-à-dire, c'est pas comme un beefsteak. Là, le beefsteak, je paye, je le mange tout de suite, quoi. Je peux pas le stacker, tant que la potion, bah, ça reste en haut, là, à gauche. Et ça le fait, quoi. Donc, est-ce qu'on a une clé? Est-ce qu'on va... Oui, bah oui. Oui. On peut voir sur la map, en fait, c'est un coffre. Mais la plupart du temps, de ce que j'ai vu, quand on voit un coffre sur la map, ça veut dire qu'il y a une relique derrière. Qu'est-ce qu'on a? Alors? On trouve de la bouffe dans les... De la bouffe moisie? Je sais pas quoi. Dans les coffres. Ok, on va voir. On a... Voilà, bon, on peut jouer à la souris ou à la manette, hein, comme on veut, mais moi je joue à la manette. Mais on peut regarder directement avec la souris nos petits trucs. Hein.
c'est comme tout. Hein. C'est, je veux dire, voilà, c'est bien foutu quand même. Donc le but. Alors attention, parce que ouais, ça j'en ai pas parlé, j'aurais dû commencer par ça. Je vais prendre 20 secondes pour en parler, m'arrêter. Mais je vais pas faire une série sur ce jeu. Là, c'est juste pour vous montrer le jeu, parce que je trouvais qu'il était cool. Et j'avais besoin d'un jeu cool et ça m'a fait plaisir de voir ça. Et c'est tout ce que j'attends d'un jeu en fait, hein, tout simplement en ce moment, donc c'est parfait. Mais clairement, je le garde pour ma gueule, hein, ce jeu-là, je vais y jouer à fond, mais hors vidéo. Hein, parce que là, je me suis dit, je vais commencer le jeu, vous montrer le jeu, vous expliquer un peu pourquoi j'aime ce jeu et pourquoi j'ai envie de le montrer. Et après, bah, vous en faites votre avis, mais n'attendez pas une série sur ce jeu. On a des trucs en cours, bon. Et voilà, on a autre chose à voir, hein. On a autre chose à voir et à faire, hein, mais ça, tout ceci, ça sera en temps voulu, bien sûr. Donc là, je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, 1h30, 2h, 3h, j'en sais rien. Non, je veux juste vous faire voir le boss, je pense, et après on arrêtera certainement ça. Comment ça, il me faut une clé spéciale? Ah, c'est fermé, l'ami. J'ai été enfermé ici par le sorcier Bounzolol. Bamboozle. Où est-ce qu'il est ma clé? Si tu m'aides, je t'aiderai en retour. Je suis... J'ai beaucoup de capacités dans la fabrication de bombes et autres. Ok. Ok. Donc ça, voilà. J'imagine, hein, parce que ça, j'avais pas vu. Ça, c'est un mec, on lui ouvre. Et derrière, il se retrouve en haut. Et on a un magasin en plus qui nous vend des trucs, des bombes, quoi. Bref, vous verrez, hein. Vous verrez quand je vais mourir. Attendez. Ils sont où les ennemis? Ah, ça y est. Je vous montre la vidéo, il y a un bug. Ouvrez-moi! Je vais prendre l'or, hein, c'est tout. Qu'est-ce que... Ma bombe! Ah putain, il a pris plein de dégâts de chute. Je fais que ça. J'évite et il va prendre les dégâts. Chute. Je reste loin de lui. Alors faut qu'il y ait des trucs qui tombent sur sa gueule. Ah mais j'ai eu du bol en fait, ça n'arrive jamais. Ok. Wow! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je crois que c'est un mini-boss. Hein. Ça, j'avais pas vu ça. Putain, mais merde. Tu vas te calmer tout de suite, mon gars. Ah ouais, mais j'ai pris une patate. J'ai pris une patate de forain. Aïe, mais non, mais aïe. Aïe, heureux, aïe. Ah non, je ne peux pas mourir comme ça. Je ne peux pas mourir comme ça. Je refuse. Je refuse de façon catégorique. Mais non, mais arrête! Arrête d'être con! Non mais... il continue d'être con! Putain, mais je prends tellement cher! Ah bien, bien, bien! Vous avez vu, hein, il a pris un petit rocher sur la tronche. C'est pas grand-chose, mais ça fait deux fois plus de dégâts que mon arme, hein, quand même. Ah, c'est le lancer, hein. La pioche lancée fait moins de dégâts que corps à corps. Hein. Corps à corps, vous avez vu, c'est l'orgie, quoi. Donc, ah, peut-être la jouer prudence et je reste de loin, quoi. Je lui fais ça et je lui mets bien profond. Mais non, mais il se cache. Il se cache derrière des rochers. Mais quoi? Mais pas comme ça. Au fumier. Comment ça, zéro? Vous avez vu? C'est peut-être quand il est en boule, c'est ça? J'arrive pas de sauter, je sais pas quoi faire. Mais non, mais... Oh! Arrête, s'il te plaît. Ok, ouais. Fais ton attaque comme ça, j'aime bien ça. Ça, j'ai compris. Ah, mais non, mais trop gourmand. J'ai été trop gourmand, bien sûr. C'est pas le moment d'être con. Mais non! Prochaine attaque, je suis mort. Oh, zéro. Ouais, 18 dans ta gueule. Quoi? Moi aussi je peux prendre les rochers sur la tronche, hein. C'est ça que ça veut dire. C'est depuis tout à l'heure, j'ai du bol, je regarde pas trop, mais... Oh. Crève.
Mais non, mais pourquoi je fous à côté? J'ai eu peur, mon dieu. Oui, oh, mon dieu. Oh oui, oh, un moult argent, moult argent. Ah ouais, une clef, je prends la clef. Ah oui, c'est la clé spéciale, c'est ça? Eh oui, clé du prisonnier, ok. Ah mais c'était c'était le mage? Bah non, c'était un mimique. Il était marqué mimique quelque chose. Et on a des plans. Alors qu'est-ce que c'est? Crippling poison. Ok, bon, un truc pour faire de poison, j'imagine. Jusque là, je me plante pas trop. Bombe doubleur. Alors tout ceci, voilà, on a les plans pour pouvoir crafter des objets avec le forgeron. Mais pas des objets, voilà, je vous en parlerai tout à l'heure quand on arrivera au forgeron. Bon, parce que ça va vite arriver, hein, parce que j'ai 12 points de vie. Attendez, bah attends, je vais l'ouvrir maintenant. Parce que là, j'ai failli aller à gauche. Mais si je meurs... Non, mais je t'ouvre. Oh, merci l'ami. Ah, c'est très sympa de ta part de me sortir de cette cage. Ouais, je vais retourner en haut à la surface. Ne fais pas confiance aux sorciers. Ok. Alors, je peux... ouais, c'est ça. Firecracker. You call bomb. Il peut booster les bombes, hein. Ok. Merci, l'ami. Rock pipe, mais mec. Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'ai vu. Il a failli me mettre sur la gueule, quand même. Enfin, j'ai eu de la chance, hein, je crois. Une clé. Ah, et tant de questions. Ah, mais j'ai si faim. J'ai si faim de réponse. Alors, Oh, c'est sympa. Merci, l'ami. See you around, friend. Ok. Donc, en haut, on a la sortie. Je me dis, la sortie, il doit pas avoir trop d'ennemis. Ça va être cool. Oh, il y a personne. Bah, une bombe, une clé. Mais je suis à poil. Je suis à poil, il me reste 12 PV. Voilà, là, on peut voir. Mais regardez, là, il y a de la pépite d'or. Il faut avoir l'œil vif. Parce que regardez, ici aussi il y a de la pépite d'or. J'avais pas vu. Dégage, dégage le slime. Ok, ok. On va faire la salle en dessous. J'ai pas vu de passage secret. Alors, on peut voir souvent en haut, à droite, en bas, à gauche, bien sûr, un truc briller. Ce qui signifie qu'on a un passage secret, qu'on peut mettre une bombe. Mais bon, pareil, hein, pareil, il faut avoir l'œil vif. Et bon, bah ça, c'est parce que c'est pas ma... Voilà. Pas mon point fort quoi. On a deux bombes, c'est à dire je claque une bombe ici, je remets une bombe en bas et on peut avoir les deux. Putain, j'ai eu peur de ces chauves-souris. Oh, mais... Magnifique, de la bouffe. On n'est pas mort, pas encore. Ouvre moi ça. Et de la bouffe encore, mais c'est magnifique, c'est parfait. Et regardez, galère les slimes, ils peuvent pas passer. J'ai pu prendre tout l'or sans stress. Allez, fais-moi péter ça, s'il te plaît. Ouf, c'était juste cette bombe, parce que j'ai failli me louper. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il n'y a rien. Et une bombe, et on est remboursé, et un steak. Eh ben, si c'est pas rentable, tout ça. Mais regardez à gauche. Regardez à gauche. Il a fallu que je le dise. Et du coup, j'ai regardé. Et du coup, ma bombe... Hop. Tududu. Tududu. Oui. C'est juste un truc à prendre, ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça augmente mes... Mon maximum de cœur. Effectivement, ouais, ça augmente mes HP max, mais ça me soigne pas. Ah, ça, putain, j'aurais aimé que ça me soigne. Ah, merde. Ah, zut de flûte. Bon, ok, c'est bien, c'est bien. On va pas trop se plaindre quand même, ça se passe bien. Jusque-là, ça se passe bien. La map. Alors, je sais pas si on peut... J'essaye les boutons, voir si on peut pas agrandir la map ou un truc comme ça, mais on dirait que non. On dirait bien que non. Bah j'ai tout fait, on se casse quoi. Bah, j'ai tout fait. Il me semble que j'ai... Ah mais non, mais le magasin, attendez. Je suis pas allé au magasin, si? Qu'est-ce qu'ils vendaient? Je suis passé vite fait au magasin? J'ai même pas regardé. Bah si, la bouffe est prise. ma bouffe gratuite est prise, donc si, j'y étais passé. Ah ouais, alors, on peut se dire, on dépense du fric, et comme ça, on va prendre un soin et on va aller plus loin. Mais,
Mais c'est du flouze à dépenser. Et moi, mon fric, je veux le garder. Je veux le garder pour quand je meurs. Cette phrase n'a aucun sens si vous avez pas compris le jeu, mais croyez-moi. Parce que bon, forcément, je vous ai dit, je vais perdre quand je meurs, je perds la moitié de mon or. Mais plus je gagne d'or, plus je vais en perdre, mais plus je vais en ramener aussi. Enfin, c'est technique, hein, c'est technique. Donc je m'en fous, je veux pas dépenser mon or. Bah, s'il y a un truc pété, on le fera peut-être, quoi. Et s'il y a un truc pété, ça coûte une fortune. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Il y avait pas de la viande si je l'ai pris? En fait, c'est un slime qui avait une bombe en lui. Alors, on regarde. J'ai trouvé une clé. Super. Le slime avait une bombe en lui. Alors, bah, relique à droite. Une bombe. Qu'est-ce que c'est? Les bombes explosent en... Une douche de feu? Ça a l'air dangereux, ça. Alors, bon, je vous en ai pas parlé. On va le faire maintenant parce que c'est sous mon nez. On a des trucs planqués, ça, je vous l'ai dit. Mais aussi, on a des malédictions. Des malédictions qui nous cassent bien les couilles. Et donc, on a... j'ai eu l'impression, hein, on a des coffres violets. Et donc, on sait si le coffre est violet, si on l'ouvre, on se tape une malédiction. Et là, on a un feu violet devant nous, là. Et ça, c'est pareil. C'est-à-dire, si je claque une bombe ici, il va avoir des objets dedans. Au pif, alors, c'est peut-être de la merde, c'est peut-être bien, on sait pas. Mais j'aurai aussi une malédiction. Donc, pour le fun, je vais le faire en même temps. Comme ça, on va voir la douche de feu. Ok, c'est comme ça que ça marche. Vous avez vu, hein, la truc. Là, on a eu un sac de bombes et deux clés. Petit jeu de clés. Donc, c'était des ressources de base, mais c'est un nombre. C'est bien, donc c'est cool. En revanche, c'est quoi la Melek? La malédiction. Alors, ok, les soins sont moins... voilà, ça donne moins. Ok, parce qu'on a vu le steak, ça redonne 20. Donc là, ça redonnera un peu moins. Faudra voir quelle nature. Vous voyez en haut, là? Putain, c'est un passage secret, ça. Douche de feu. Je peux aller dedans? Mais non! Dans l'eau! Dans l'eau! Ah voilà, je vous ai dit juste avant, Divinity, pour ceux qui n'ont pas joué à Divinity, bon, si vous savez pas ce que c'est, triste, mais voilà, on a des interactions avec ça, on est cramé, on va dans la flotte, après c'est logique, vous me direz, hein. Mais certains jeux ne se prennent pas la tête pour faire ce genre de choses. On a eu deux clés, et qu'est-ce que c'est que cette merde? Unlock. Bon, en même temps, j'ai 5 clés, donc on peut y aller, je pense, hein. Et les yeux fermés, je coupe quand même l'herbe, à la Zelda, je sais pas pourquoi, mais... Je m'écarte quand même. Comment ça? Je viens de me faire sodomiser. Mais il s'est rien passé. Ah, il s'est passé un truc dans le donjon? Dans le niveau? Ouais, mais comme c'est la première pièce que je visite, du coup, c'est con. Putain, le rat. Oh, ça pique. Oh, ça pique. C'est pas qu'une façon de parler. Mon dieu. Ah, c'est des merdes, ça. Mais non, mais il me pique mon fric. Il me pique mon fric, petit oiseau. Mais qui... Ah, mais pourquoi? Attendez. Ah non, c'est parce qu'ils ont tout pété, ces cons. Mais ils pètent tout. Mais j'ai l'impression que quand je me fais toucher, je perds de la thune. Je vais mourir. Mais crève, enfin. Sale bête démoniaque. Mais ouais, je sais pas, il me touchait, j'avais l'impression de perdre de... Attendez, y'a rien qui me fait ça, là. Ouais, non, mais je vais mettre des cœurs max, mais non, ça c'est le soin. Bon, ok. Allez, on va mourir dans cette salle. Oups. Ça a l'air safe. Y'a un steak. Putain, y avait même deux trucs de bouffe. Ah, mais sauf que ça redonne que dalle. Parce qu'il y avait un truc à 30 et un truc à 20. J'étais à combien? 12 PV? Merde. Ça m'a redonné 28 PV alors que normalement ça aurait dû me redonner 50. Ah ouais, c'est... Je crois, hein. Après, voilà, je débute dans le jeu, j'ai pas tout vu. Mais waouh, les malédictions, quoi.
Ok, on continue à avancer gentiment. Des rats. Pourquoi il y a un truc sur lui là? Il est boosté par son... Le roi... Oh mais non! Il est con. Il est con, le trou est énorme, il tombe dedans. Mais ouais, mais c'est bien le lancer, mais ça fait pas de dégâts. Mais aïe! Oh putain, je me suis fait tuer par un rat. Je m'excuse, développeur, de vous avoir un peu chambré par rapport au fait de faire des rats. Je me suis fait tuer par un rat. Merde, c'est con, parce que dans la salle secrète, j'ai pas compris pourquoi on a mis une clé. Il s'est passé un truc. Bon. On a perdu la moitié de notre or. Regardez-les, ils se régalent sur mon cadavre. Et on peut le voir, voilà, le temps, j'ai mis une petite trentaine de minutes. Gold, ok, 1295, ce que je garde, 647. Et du thorium, ça j'en ai pas parlé, on va y arriver maintenant. Plus les monstres qu'on a tués, les reliques, voilà, le normal quoi. Et donc, voilà, on a notre forgeron qui sort. Et on a notre pote en haut à droite, là, qu'on a délivré. Et là, bon, bien sûr, c'est un nouveau mec. On voit son nom là-haut, Favaun. Super, super à prononcer. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Black Polar Bomb. Voilà, il augmente le dégât des bombes, ok, ouais, parce qu'on peut aussi s'en servir quand on en a plein pour défoncer des crânes. Hein. Et là, upgrade la bombe pour... C'est pour des rochers plus balèzes. Ça serait... Parce que, ouais, j'ai cru voir ça. Ouais, j'ai vu que tu m'appelais. Ah, paysan, tu es de retour. Oh, oh, quelqu'un de nouveau. Très bien. Oh, paysan, regarde. Regarde, je suis fourni en objets spéciaux. Qui pourraient t'aider dans ta descente dans la mine. Ah ouais. Pour utiliser ton or et me la donner. Gentiment, et te faire sodomiser. Ouais. Voilà, mon canari. C'est, voilà, c'est ça en fait, la transition entre les personnages. On dirait, ils n'ont aucun lien entre eux. Comment ça se fait qu'ils arrivent avec la moitié de l'or? C'est le canari. Le canari, il fait la transition et c'est lui qui ramène le petit sac d'or au suivant. Il dit, tiens, bon, ça, c'est la moitié du gars qui vient de mourir juste avant. Allez, go, courage. Bon, voilà. Donc, on a, comme je disais, maintenant qu'on a 647, on a ici des objets. Des objets chez l'archimage. Donc ça, ce serait pour voir les noms et les cœurs des ennemis. Ok, pourquoi pas. Choper l'or à distance, ok. Et ah, le sel, c'est salé, ah voilà, ça augmente l'efficacité de la bouffe, et eh ben ça serait super intéressant, bah ben oui, mais bien sûr, un petit peu de sel sur la viande et tout repart, c'est parfait. On peut voir, hein, on a un truc à droite ici, bon, attendez, je peux taper, y'a quelqu'un? Casse-toi, mécréant, le laboratoire est fermé, c'est Baba c'est elle. L'alchimiste. Ok. Baba is you. Alors. Wayland. Baba is you, génial hein, comme jeu. Je l'ai sur Switch, n'hésitez pas. Oh hey! Mais c'est toi! C'est toi, sale con! As-tu. Ouais. T'es comme ça maintenant? Ouais, ok. Merci pour m'avoir donné un coup de main à... Dans les sous-sols, mais non, mais c'était pas moi, connard. Ouais, mais si c'est pas lui, il est forgeron. Il est peut-être pas physionomiste. Ouais, j'ai passé un petit coup dans la forge, là. Tu vois, j'ai un peu boosté le truc. Et regarde. Regarde bien. Tout est de qualité extrême, je te le promets. Si tu achèves quelque chose, déjà, tu me feras vachement plaisir. Et après, bah voilà, ça va te faire du bien aussi, mon gars. Traduction à chier. je peux fabriquer des reliques. Si tu le souhaites, mais il faut me ramener à des plans. Parce que je suis... Donc amène-moi tout ça. Bon voilà, c'est ce que je vous disais. On a ici même les upgrades, hein, bien sûr. Hein. Mais
pas seulement. Bon, alors on a du dégât classique, les cœurs max. On a voilà la distance de frappe de ma pioche. Hein. Et oui, ça, très important. Le sac d'or. Le sac d'or pour perdre moins d'or quand on meurt. Et ça, voilà. Bon, il me semble que c'est... voilà, pour l'instant, on est à 50%. Il me semble que c'est du 55% quand on l'achète. Et après, en fait, on a un deuxième niveau et troisième niveau et ainsi de suite. Et ici, en bas, c'est pour mon lancer de... Un truc qui soit plus balèze, qui soit... Ah, qui aille plus loin. Ok, bah, c'est vrai qu'il est un peu limité. Et ensuite, on a notre pote, le forgeron, qui lui, dit, ah, bah, attends, je peux te crafter un truc, mais ça coûte des cristaux. Du machin oium. Du tibérium. Alors, il faut 8 cristaux de tibérium pour faire ses boots. Ses boots, et ça défonce les pics et ça prend les noms. Ouais, ok, je... Ouais, peut-être. Alors, bombe doubleur. Ah, putain, pas mal. À quelques fois, une nouvelle bombe drop quand tu utilises une vieille bombe. Ah, quand on utilise une bombe, on a une chance d'avoir une nouvelle bombe. Pas mal. Eh, mais c'est 16 cristaux. J'en ai que 10 déjà et c'est 16 cristaux. Et là, creeping poison. Alors, chance de faire un coup au poison à tes ennemis. C'est cool, ça. Ça, c'est bénef. 14 aussi, ça coûte une blinde. Le petit problème avec ces équipements, c'est-à-dire, ah, l'inverse de ceci. Et là, disons, là, j'ai 647, on va se prendre un petit peu de dégâts. Voilà. Donc, swing damage, hop, on a vu, il y a un deuxième niveau, hein, c'est plus cher après, c'est 300. Donc, j'ai augmenté ça, qu'est-ce que... le sac, bien sûr, le sac, très important. Gold less, alors 400, tu l'as 100. On se prend le HP max, on se fait plaisir. Et on va peut-être garder 197 pour aller chez papy après. Mais en gros, ça, c'est définitif. Quand on booste ça, c'est définitif, tous les persos suivants seront boostés de la même façon. En revanche... Les crafts qu'on peut faire ici, c'est juste pour la prochaine run, pour la prochaine descente. D'ailleurs, on se dit, bah tiens, pour la prochaine descente, moi, je veux que mes bombes, à chaque fois que j'en utilise une, bah, j'ai les chances. Donc, je fais ça. Alors, je les claque, hein, mes cristaux tibériums. Mais disons qu'on voilà, on peut augmenter nos chances de victoire sur la prochaine descente grâce au truc. Et bon, bien sûr, il faut trouver des plans dans les prochaines parties. Pour avoir de plus en plus d'objets dispo pour démarrer la run. Et alors, je sais pas, j'ai jamais testé, mais peut-être qu'on peut en faire plusieurs. Si on a assez de cristaux, on en fait 3-4, on se dit, vas-y, je fais ça, ça va être une run pétée. Ce qui est, je trouve, une plutôt bonne idée, hein. Plutôt bonne idée d'avoir les deux, c'est-à-dire l'upgrade permanente et aussi des petits trucs, voilà, juste pour les runs. Alors lui, bon, de 2500, ton Echo Blast, tu peux te le carrer bien profond. Et ici aussi, ouais, je voulais avoir ça, c'est-à-dire on va le prendre, les lunettes, pour avoir voir les cœurs des ennemis. Ok. Alors c'est con parce qu'on n'a pas vu le boss, on n'a pas vu le premier boss. Ah, j'y retourne du coup. Ouais, il me reste 97, tu peux pas acheter un truc là? Les gants, ouais, 50. Ça c'est pourquoi... alors, la range... Ça c'est swing damage. Ça c'est range damage. Oh, je suis pas sûr. Scroll damage. Ok. Alors le G du. Mais alors c'est quoi ça? Ah non, mais autant pour moi. Ça c'est pour les dommages de la du lancer. Et ça c'est pour la distance du lancer. Ok. Ok. Bon, on y va. Speedrun, c'est parti. Ouais, je vais... Voilà, on va faire cette descente. Vous voyez ici les blocs, là. Ça, je peux pas péter avec une bombe classique. Je pense qu'il faut l'upgrade à 2500 pour péter ça. Mais on va faire une petite descente. Et en espérant trouver le boss. En espérant aller jusqu'au boss. Et bon, on y était, hein. C'était l'étage où on est mort, hein. C'est ça qui est dommage. Mais, et après, j'arrêterai la vidéo ici, quoi.
Mais voilà, je trouve le jeu vachement sympa, des bonnes idées, et surtout une longueur de jeu folle déjà, parce que on n'a même pas vu le premier boss. Bon, j'ai fait une petite demi-heure, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Bon, il fonce. Mais non, mais connard. perdu. Perdu, l'homme était perdu. On peut voir les points de vie. En bas à droite, hein, quand même des ennemis. C'est limite plus pratique que d'avoir une barre au-dessus des ennemis. Hein. D'avoir la barre en bas. Ok, c'est bien. J'ai perdu un peu de points de vie bêtement. Une relique en bas, on y va. Qu'est-ce que c'est? Alors. Peinture de guerre? Ça augmente les dommages, l'attaque et la rapidité quand je tue des ennemis. 0. Plus je tue des ennemis, plus ça monte. C'est de la folie, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Ce slime possédé en feu. Mais dégage, mon fric! Fumier! Attends, il est barré, le truc en feu? Merde, fallait le tuer, en fait. C'était peut-être un bonus, un truc. Il m'a fait juste flipper, moi, je me suis cassé. Ou il est mort. Je sais pas. Ouais, non, mais arrête de t'exciter, toi. C'est pour moi, tout cet or. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore de l'or. Un steak. Mais... c'est bon, j'ai récupéré, quand même. J'ai réussi. Ah, je regarde pas les passages secrets. Quelle erreur! Mais voilà, le jeu a l'air long quand même, et bon... Oh merde. C'est qu'il y a un early access, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Après, bon, je pense que... à mon humble avis, hein, là, vu le jeu, il y a au moins 80% du jeu qui est fait, quoi. Hein, je veux dire, après, là, c'est juste du contenu qu'ils vont rajouter. Mais je pense qu'on a déjà la plupart du contenu, faut pas se mentir quand même. Hein. Mais peut-être qu'on peut être surpris, hein. Des fois on est vite surpris. Hein. Vous pouvez voir là-haut, sur le mur, il y a une petite entrée là. Bah, si j'appuie sur cette dalle, je prends une flèche dans le cul. Alors je vous l'ai fait voir, j'ai fait exprès. Putain, je voulais l'esquive et j'ai tout loupé. Mais voilà, vous avez compris, il y a des pièges comme ceci. Voilà, j'aurais pu plutôt faire celle-ci, parce qu'elle est loin, j'ai le plus facilement le temps d'esquiver. Bref, vous avez compris le délire. On a des pièges un peu partout. Vas-y. Ah, de l'or. De l'or, très important, de l'or. Qu'est-ce que c'est? Hé hey. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu râles parce que j'ai pété un pot? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Oh, garçon! Mec! Regarde-toi! Oh, putain. Tu te fous de ma gueule? T'as une licence pour cette moustache? Ah, je suis... je suis l'adorable lapin noir. Ah, oh, putain, mais merde. Merde, des creatures, c'est des bestioles, créatures. Reine de la taverne. Destructrice des croissants chauds. Ok. Ah bah ouais, mais ton rock pile mimic. C'est toi la sorcière? Ah non, mais attends. Ah, ok. J'ai besoin de ça. Soi-disant, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, le prix n'est pas normal pour un plan comme celui-ci. Pour toi, mon ami. C'est un prix discount. C'est la famille, quoi. La famille, mon gars. C'est sympa. C'est la famille. Ok. Le chapeau d'aventurier. Dofus. Dofus Bolt It. Ah putain. Je vais faire fortune avec ces trucs de merde. Ah, j'ai dit ça tout haut, merde. Oh. Je voulais dire, merci
Merci pour ton patronage, je ne sais pas. J'espère faire business avec toi de nouveau. Passe une superbe journée. Merci, merci. Ah, je peux fouiller là-dedans? Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que si j'essaie de nouveau, j'allais crever, c'est ça? Alors, ah ouais. Ok, soit t'obtiens le truc, soit tu meurs en essayant, parce que c'est un peu chez elle, j'ai l'impression, non? Si je pète ça, il y a de l'or? Je m'en tape, je le prends, non? Je pète tout, moi, dans ta baraque. Il y a de l'or dans les pots. Et là, il y a de l'or aussi. Tu peux la tabasser ou pas? Je peux pas la tabasser. Et qu'est-ce que t'as autre chose à me dire ou pas? Oui, ok. Ok, ok. Bon, c'est parti. On y retourne. J'avais dit speedrun, merde. On a tout fait ou pas? Ah ouais, le problème c'est ça. J'ai l'impression à droite, il y a une porte qu'on n'a pas fait. Alors peut-être en cliquant sur la souris comme ça. Non, il n'y a pas moyen de voir la map plus grand. Mais on n'a pas fait à droite parce qu'il fallait des bombes plus puissantes que je n'ai pas. Allez, c'est parti. On a le magasin. On a le magasin. Alors, on a vu, il y avait de l'or dans ces trucs-là, mais seulement chez elle, là-bas. Ici, il n'y a jamais rien. Je m'efforce de tout péter, mais c'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 350 boulasses? Hey, Gis. Augmente la défense au critical health. Ouais, je sais pas. Une bombe, ok. Et de la bouffe, ok. Bon, on se casse, hein. Merci, mais non merci. Il y a un crâne. Ah, mais il y avait une petite piécette. Mon canari s'en est chargé, mais... Wow! Ok, c'est vrai que j'ai augmenté les dégâts de ce truc. Il faut y penser. Quoique, c'est peut-être le bon plan hein, d'augmenter les dégâts de lancer. Mais bon, ça après, tout ce qui est stratégie, je vous laisserai gérer de votre côté. Hein. Qu'est-ce que c'est? Il y a un piédestal, il n'y a rien. Oh zut. Attendez, je pète ça alors? Ah mais j'ai pas de bombe. Si j'avais une bombe, j'aurais pété ça. Il y a peut-être un interrupteur en dessous et après ça fait tomber un objet. J'en sais rien du tout. Hein. Mais peut-être. Peut-être. Allez savoir. Voilà, la seule différence entre le coup au corps à corps et se lancer, c'est que je suis beaucoup plus mobile avec le lancer. J'ai pas de... voilà. Mon personnage ne s'interrompt pas. J'utilise de l'anglais dans mes phrases françaises. Putain, mais la bombe, elle devait péter là pour pouvoir avoir accès au coffre. Bande de connards. Je vais pas éclater ma gueule dans les pics pour un coffre, si? Putain, mais c'est moi aussi, j'ai tapé dedans comme un abruti. La bombe était parfaite. Donc, on a du pétrole ou je ne sais quoi. C'est quoi? Pourquoi je suis tout rouge, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis illuminé comme ça? Ouais, ça s'enlève, je sais pas pourquoi. Ah, ou c'est la peinture de guerre? C'est quand je me fais toucher. Ah, il est marqué quand je tue des ennemis. Après, bon, apparemment, quand je tue les ennemis, ok. Et quand je prends un coup, le compteur retombe à zéro hein, de ma relique. J'ai bien l'impression. Bah allez, on y va. Qu'est-ce que c'est? Un hachoir? Ah, le hachoir du boucher. Alors, alors, ouais. Quand il y a de la bouffe qui tombe, quelquefois... ah non. Ok, ouais, ok. J'ai compris. Les ennemis...
les ennemis, quand je les tue, ben, ils droppent parfois de la bombe. De la bouffe, pardon. Ouais, attention, hein, mon esprit est ailleurs. Entre essayer de traduire tout en essayant de comprendre moi-même. C'est compliqué tout ça. Mais zut, flûte! On verra jamais le boss, hein. Vous le verrez jamais. Mais les ennemis droppent plus facilement. Mais non, mais connard, le trou! Mais non, mais arrêtez! Ah, mais il s'est fait pourrir lui. C'est une bombe pour moi ça ou ça va péter? Non, c'est une bombe pour moi, c'est sympa. Et attendez, il n'y avait pas un. Ouais, non, c'était à l'étage d'avant qui me fallait une bombe. On a tout fait? On a tout pris? Il n'y a pas d'or? Je suis pas assez attentif, je pense. Mais lui alors! Putain, d'accord! Et tout à l'heure, je suis passé à côté de ça. Ah, c'est l'orgie. Bon, ils m'ont piqué plein d'or, mais il y a donné plein de cristaux. Dégagez, dégagez. Ah, mais c'est cool! C'est très très cool! Qu'est-ce que c'est? Tu veux bagarrer ou? Non, t'es un pote. Ah, Beltram! Oh, oh bonjour, un vil humain. Peut-être que tu peux m'aider. Baba? Ah, Baba, je la connais bien. Baba m'a envoyé chercher trois champignons très particuliers. Ah, ils ne sont pas comme les autres pathétiques champignons ordinaires. Ils sont uniques. Avec des qualités spéciales. Je ne peux pas retourner la voir sans avoir trouvé ces champignons. Ah, Baba, c'est une. Voilà. C'est une sorcière maléfique et. Elle risque de me flageller durement. Alors, si tu croises les fameux champignons, tu pourrais me les apporter, s'il te plaît? Je sais pas ce qu'il veut après. Donc, je sais pas ce que c'est. Il a trouvé une merde par terre. Bon, vas-y, prends tes merdes. Ça, c'est à moi, ça. Hein. Les pépites d'or, prends ce que tu veux, mais les pépites d'or, c'est à moi. Ouais, il y a des champignons, là. Bon, ouais, c'est toi, ça t'intéresse pas, les champignons ordinaires. Toi, c'est des spéciaux, qu'il te faut. Et alors, tu me dis rien d'autre? Est-ce que tu as trouvé les champignons? Oh, je vois. Tu es les mains vides. Ouais, ça va. Ça va, on vient de discuter il y a 20 secondes. Sois pas con non plus, quoi. Forcément, je les ai pas trouvés. Ouais, on y va. On y va, il m'a énervé. Ah, c'est pas possible de voir ça. Mais j'ai pété le... Bon, non, j'allais dire j'ai pété le panneau. Je regarde pas trop les panneaux, mais ça, c'est juste pour me dire... Goldmine 3. Là, mon accent, hein, parfait. Ils sont agressifs ces rats. Hein. Ah, c'est du gros rat là. Hein. C'est du rat mutant déjà. C'est du rat adulte. Pour l'instant, on avait le droit à du rat enfant. Une bombe, de l'huile, un beefsteak, c'est très bien. Très très bien. On retrouve de la couleur un petit peu. J'étais pas bien. Alors. Une bombe pour une bombe, est-ce que ça vaut le coup? Alors si j'accède pas à la bombe, j'ai l'air con, mais j'ai envie de dire oui. Parce que voilà pourquoi. C'est-à-dire que dans ces rochers, tout ça, il y a des trucs au pif. On sait pas, des fois on en pète un, bah il y a des trucs, et là on a vu. Dans un des rochers, il y avait une clé. Comme j'avais zéro clé, bah c'est parfait. Parce que là-haut, on a besoin d'une clé. Mais quoi? Mais oui, mais non. Quelle saloperie ce monstre! Et ouais, mais toi la mouche là! Lâche-moi, on va s'occuper de lui là! Ah ouais, mais la peinture de guerre c'est nul en fait! Parce que ça dure 2 secondes quoi! Vous voyez là, j'ai mon boost! Et hop, c'est fini! C'est terrible, faut enchaîner les monstres quoi! On va aller voir parce que. C'est jamais le magasin. On a... Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Antimatière? Hein?
gagne des cœurs quand tu prends des dommages. C'est pas possible ça. Je dois pas comprendre. Oui, des clés, mais double. Mais sauf que le prix est double, donc tu te fous de ma gueule. Ça serait moins cher, mais une clé seule, c'est 120. Et fais, regarde, deux clés, 240. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais non, mais tu t'es vraiment foutu de ma gueule. Je te défonce, hein. Non, mais je me casse. Alors, je prendrais bien le... steak. Ça donne faim, tout ça, mais... On va aller voir ici. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Alors, le pendentif du chevalier? Non, c'est pas ce bouton. Mais j'ai pas regardé ce que ça faisait. Quel con. Alors, inflige plus de dommages au swing quand tes cœurs sont hauts. Ouais, du coup, c'est nul. C'est nul. Ça va, mon coup comme ceci est plus puissant, plus j'ai mes cœurs à fond. Et vu que j'ai 65 points de vie sur 220. Ça me donne plus 1. C'est pas rien. Hein. Non mais. Mais quoi, il m'a empoisonné, mais quelle cochonnerie! Mais quoi? Mais je le vois pas, il est derrière la map! Il s'est planqué derrière la map! Ah mais attendez, il casse tout! Et il a régné! Mais merde! Lâchez-moi, mais lâchez-moi bien! Je pensais que j'étais planqué derrière les rochers, mais pas du tout quoi! Mais non mais. Ah mais paf, mon cul dedans! Bon ben voilà, ça fera une belle présentation, je pense. Et au moins, comme ça, vous ne verrez pas le boss. Comme ça, si vous avez envie de découvrir par vous-même, bah, c'est tout bénef. C'est du thorium, hein, pas du tiberium. Je savais que c'était pas du tiberium, les cristaux violets. Mais bon, tiberium, c'est comme un de conquérir. Mais bon, voilà, quoi. Le node, le GDI, le tiberium, voilà, quoi. Bon voilà, on aura fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Moi je vais continuer de mon côté. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs sur la qualité de la vidéo ou tout ça. J'ai changé des paramètres, j'ai essayé d'optimiser tout ça, donc normalement les prochaines ça devrait aller mieux. Et peut-être qu'on aura plusieurs vidéos comme ça où je vous présenterai un jeu pendant une heure et demie. Et c'est tout. C'est tout, n'allons pas plus loin. J'ai deux jeux expérience là que je vais faire bientôt. Ça va certainement être des petits épisodes de 15-20 minutes, mais ça m'intrigue. Donc je vais faire ça avec vous. Et je vais faire ça de mon côté, mais je vais le partager avec vous. Et après, par la suite, bah, on verra. On verra toujours Oxygen Not Included et finir d'autres choses. Ne parlez pas de Don't Starve. Chut, chut. Chut, chut, pas de mots. Sur ce, merci d'avoir regardé, hein, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et j'espère que je vous aurai donné envie d'acheter ce jeu, même si je ne touche rien dans la commission. Ce qui est d'ailleurs bizarre, il va falloir que j'en parle au développeur. Allez, gros bisous, à bientôt, salut.